sur la place de la sérologie dans le diagnostic des maladies virales et parasitaires avec professeur Alam Inès du CHU de Bimsous. Bonjour professeur. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour madame Saoulé. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On vous voit pas. Oui, très bien. Je suis heureuse de retrouver tout le monde. Je vois que c'est très que les gens nous écoutent des quatre coins de l'Algérie. Ça fait très plaisir. Oui, nous avons les 58 wilayas aujourd'hui. Docteur Adam, est-ce que vous avez une caméra? Parce qu'on ne vous voit pas. Ah, très bien. Vous souhaitez me voir? Oui. D'accord. Je vais juste la réactiver. Voilà, vous allez me voir. Voilà. Madame, je vous souhaite une bonne formation tout le monde. Je vous donne la parole et je déclare la session de la formation ouverte. Allez, bon courage. Merci beaucoup, Madame Saouli. Merci beaucoup, Yadok Saha. Bonjour à tous. Donc, je suis très ravie de vous faire cette présentation. Je remercie infiniment Madame Saouli de m'avoir associée à cette série de conférences qui vous est destinée. Donc, je suis programmée pour deux conférences, celle d'aujourd'hui, place de la sérologie dans le diagnostic des maladies virales et parasitaires, et celle de la semaine prochaine où on traitera de l'inflammation, de son exploration et de ses mécanismes physiopathologiques. Donc, je vais essayer de vous donner les principales informations qui vous seront très utiles sur la place de la sérologie dans le diagnostic. J'ai la barre de la discussion à droite. Donc, au fur et à mesure, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Donc, je vous lis au fur et à mesure. Je lis les commentaires, vos messages et je réponds à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à m'écrire au fur et à mesure. Donc, voici le plan qu'on va voir. Nous allons d'abord introduire le sujet. Ensuite, nous allons voir des rappels sur la réponse immunitaire dans le cadre d'une infection virale et dans le cadre d'une infection parasitaire. Ensuite, on va voir l'intérêt de cette sérologie, toujours dans les infections virales et dans les infections parasitaires. Alors, d'abord, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Monsieur Ahmed Ben Hamoud, Daouki Zaki, oui, très bien. Alors, je continue. Donc, on va voir deux parties dans cette présentation. D'abord, on va voir des rappels sur les réponses immunitaires, les effecteurs, tout ça. Ensuite, on va voir l'intérêt de la sérologie dans les infections virales et parasitaires. Alors, pour rappel, le système immunitaire, de quoi il s'agit? C'est quoi le système immunitaire? Quand on vous demande de définir le système immunitaire, c'est quoi? Alors, le système immunitaire, c'est un ensemble d'organes, de tissus, de molécules, de cellules. Le tout, ça compose le système immunitaire. Et quelle est la principale fonction du système immunitaire? Quel est le rôle du système immunitaire dans l'organisme? Le système immunitaire a pour principale fonction de nous défendre contre les différents agents infectieux. Il nous défend contre les agents viraux, parasitaires, bactériens, etc. Donc, tous ces effecteurs, tous ces composants du système immunitaire, finalement, c'est pour nous protéger contre les infections virales, parasitaires et bactériennes. Le système immunitaire doit être très prudent. Il doit savoir reconnaître le soi, les antigènes du soi, les accepter, les tolérer et les distinguer des antigènes du non-soi et de réagir contre. Alors, quels sont les effecteurs de la réponse immunitaire? Alors, vous me dites dans la barre de discussion, il faut régler le son. Je ne comprends pas parce qu'il y a un groupe qui me dit qu'il m'entend très bien. Il y a un autre groupe, non. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Alors, Amina Bou Mahdi, vous me dites oui. Alouesh Marjus, oui. Oui. Opo me dit oui, Beria oui, oui, oui. Et il y a un petit groupe qui me dit non, donc oui, normal. Je pense que le souci est chez vous, ceux qui me disent qu'ils ne m'entendent pas, parce que la majorité m'entend.
Voilà, la majorité me dit que les gens m'entendent. Hein? Voilà, donc essayez de régler le problème à votre niveau. Et puis après, si vous voulez que je reprenne des diapos, il n'y a pas de problème. Alors, donc, je vous disais que nous avons deux types d'immunité. Quand on fait une infection virale ou la parasitaire, nous avons deux types d'immunité qui vont rentrer en jeu. D'abord, l'immunité innée, c'est la première ligne de défense. Recording in progress. C'est la première ligne de défense et elle fait appel à des moyens qui sont rapidement mobilisables. Donc, elle est immédiate. Elle n'est pas spécifique du pathogène. Quand on fait une infection virale ou la parasitaire, c'est les mêmes moyens. Il n'y a pas de mémoire immunologique. Ça veut dire que si on fait une infection virale, deux ou trois semaines après, on refait la même infection virale, il n'y a pas de mémoire immunologique. Les effecteurs de l'immunité innée, mais je fais autre chose avec le virus. L'immunité adaptative, c'est tout le contraire. D'abord, c'est la deuxième ligne de défense. C'est une fois que l'immunité innée est inefficace que l'immunité adaptative va intervenir. Elle est spécifique. C'est quoi être spécifique? Ça veut dire qu'elle est spécifique de l'agent infectieux. Si je fais une infection virale ou la parasitaire, ce n'est pas la même chose. Elle est spécifique. Il y a des effecteurs spécifiques, le virus, et des effecteurs spécifiques pour les parasites. Elle est lente. Elle prend du temps pour se développer. Et on va voir par la suite pourquoi la sérologie, quand on veut faire une sérologie dans une infection virale ou la parasitaire, on ne la fait pas les premières heures ou les premiers jours. Parce que justement, l'immunité adaptative est lente. Elle ne se développe pas tout de suite. Et puis, l'avantage, c'est qu'il y a une mémoire immunologique. Et c'est ça le grand avantage. Quand on fait une première infection, on a une mémoire immunologique pour nous protéger d'une deuxième infection. C'est pour ça, par exemple, quand on fait le COVID une première fois, il est sévère. Et quand on le fait une deuxième fois, il est moins sévère. Pourquoi? Parce qu'il y a une mémoire immunologique. Il y a des effecteurs qui sont activés et qui vont nous protéger lors d'une deuxième réinfection. Alors, quels sont les effecteurs de l'immunité innée et quels sont les effecteurs de l'immunité adaptative? L'immunité innée, la peau et les muqueuses font partie de l'immunité innée. La peau, la continuité de la peau, ça nous protège. D'ailleurs, la preuve, les grands brûlés, quand quelqu'un se brûle, les grands brûlés, de quoi ils décèdent? Eh bien, ils décèdent de complications infectieuses parce qu'il y a une rupture de la continuité de la peau. Et le fait d'avoir une rupture dans la peau et des muqueuses, ça laisse passer plein d'agents infectieux et les gens meurent par infection. Donc, la peau et les muqueuses sont des éléments très importants de l'immunité innée. Il y a les cellules phagocytaires, les polynucléaires neutrophiles et macrophages, il y a le système du complément, il y a les cellules cytotoxiques naturelles, les NK. Ça, c'est l'immunité innée. L'immunité adaptative, c'est le reflet des lymphocytes T et des lymphocytes B. L'immunité adaptative, elle peut être soit humorale, donc il y a production d'anticorps, c'est la sérologie qu'on va étudier, ou bien il y a une réponse immunitaire cellulaire, ça veut dire c'est une réponse immunitaire où il va y avoir l'intervention de cellules cytotoxiques. Alors, sur cette diapo, je vous ai mis une très brève réponse immunitaire de façon générale. Vous savez très bien, si vous vous rappelez les cours que vous avez fait à l'université, que les lymphocytes T sont produits par le thymus, et que les lymphocytes B sont produits par la moelle osseuse, qui, une fois produits, vont rejoindre la circulation. Et puis, quand ils rencontrent l'antigène, qu'il soit virus, bactérie ou parasite, la réponse immunitaire va avoir lieu dans un organe lymphoïde secondaire. Donc, si je fais une infection cutanée, le siège de la réponse immunitaire va être dans les ganglions. Si je fais une intoxication alimentaire, le siège de la réponse immunitaire va être dans le tube digestif, dans le gall. Si je fais une allergie à un produit injecté, un produit de contraste, par exemple la pénicilline ou là, la réponse immunitaire se fera dans la rate. Donc, la recording in progress. Alors, un point essentiel très important, pour pouvoir vous aider plus tard à interpréter une sérologie.
Alors, le premier contact avec un antigène, on produit ce qu'on appelle une première réponse immunitaire, une réponse immunitaire primaire. Un deuxième contact avec l'antigène, on produit une réponse immunitaire secondaire. Alors, si vous voyez bien le graphe, quelle est la différence entre la réponse immunitaire primaire et la réponse immunitaire secondaire? Alors, d'après le graphe, quelle est la différence entre un premier contact avec un antigène et un deuxième contact avec l'antigène? Le taux des IgG, excellent, oui. Alors, Imel Chalouf nous dit le taux des IgG, oui. Il y a une première différence, effectivement. Autre chose? La rapidité. Alouèche, oui. C'est très bien. Alors, regardez le délai de la réponse ici et le délai de la réponse ici, la rapidité. Le taux d'IgG-IgM, oui. Aussi, une autre différence entre la primaire et la secondaire. Le taux des IgG, oui, ça a été dit. Qu'est-ce que vous constatez? La différence entre la primaire et la secondaire. L'intensité. Oui, c'est très bien. L'intensité plus rapide et plus longue que la primaire. Oui, très bien. Le taux des IgM diminue. Exactement, tout à fait. Alors, regardez la durée. Très bien. La durée aussi est très importante. Quand je fais une première infection, supposons que j'ai fait une infection virale, je fais le COVID. Si je fais le COVID, le premier contact, je vais produire essentiellement une réponse immunitaire primaire qui est essentiellement IgM. La primo-infection, c'est toujours des IgM. Ça va vous aider plus tard pour l'interprétation de la toxo, de la rubéole, des infections, de l'infection COVID, toujours. La primo-infection, c'est majoritairement des IgM. C'est quand il y a deuxième contact avec l'antigène qu'on produit cette fois-ci les IgG. Le passage de l'IgM vers l'IgG, on l'appelle sur le plan immunologique le switch. Le premier contact, c'est de l'IgM. Le deuxième contact, c'est de l'IgG. Ça, c'est la première différence. Deuxième différence, votre camarade avait dit la durée. Effectivement, le premier contact avec l'antigène, il faut que l'immunité innée se développe, elle est inefficace, c'est l'immunité adaptative qui se développe, etc. Donc, elle est lente. Par contre, puisque l'immunité adaptative a une mémoire immunologique, donc le deuxième contact est très rapide par rapport à ici. Ici, elle était lente. Ici, c'est très rapide. La troisième différence, comme vous l'avez signalé, c'est l'amplitude. Quand je fais une primo-infection, j'ai une petite réponse immunitaire. Par contre, si je fais une deuxième infection, j'ai une grande réponse immunitaire qui va me protéger très longtemps. Alors, si j'applique ce principe dans la vaccination, alors, on va prendre comme exemple le vaccin de l'hépatite B. Alors, si je fais le vaccin de l'hépatite B, voilà ce que je vais produire, des anticorps anti-HBs. Si je fais un rappel, un deuxième contact avec l'antigène HBs, regardez la réponse immunitaire que je vais avoir, la quantité d'IgG anti-HBs que je vais avoir. Donc, les rappels dans les vaccins sont très importants parce que les rappels vont vous permettre justement d'avoir cette réponse secondaire et d'avoir des IgG en très grande quantité et en très grande réponse immunitaire qui vont, vous serez sûr que ça va vous protéger contre l'infection si jamais elle survient. Donc, si vous êtes dans des laboratoires où vous dosez les anticorps anti-HBs, après un premier contact, un premier vaccin, vous allez avoir des taux très faibles, il ne faudra pas vous inquiéter. Ce n'est qu'une fois que vous allez faire des rappels, un deuxième, un troisième, que vous allez avoir des IgG très positifs, très élevés. Et quand vous avez des IgG anti-HBs très augmentés et très élevés, ils vont vous protéger plus longtemps.
Par exemple, si vous avez des antigènes anti-HBs supérieurs à 1000, ça va vous protéger. On a constaté qu'ils durent plus de 10 ans. Donc, vous serez plus protégé si vous êtes dans l'hôpital, vous serez protégé plus d'une dizaine d'années. Très bien. Donc, ça, c'était les principales différences entre une réponse immunitaire primaire et une réponse immunitaire secondaire. Alors, dans le cadre d'une infection virale, si je fais une infection virale, d'abord, vous devez savoir que les virus, ce sont des pathogènes à développement intracellulaire obligatoire. Ça veut dire qu'ils se développent à l'intérieur d'une cellule. Et que si vous voulez éliminer ces virus, il faudra éliminer ces cellules qui hébergent les virus. Il faudra détruire la cellule infectée par le virus. Comme toute réponse immunitaire, la réponse immunitaire antivirale va se faire d'abord innée, ensuite adaptative. Alors, dans l'inné, la réponse immunitaire a pour objectif de limiter la propagation du virus dans les phases initiales, dans les premiers temps de sa réplication, de produire des anticorps antimicrobiens, donc ces immunités innées, par exemple les défensives, et puis de produire des cytokines très intéressantes quand on fait une infection virale, on a tendance à produire des interférents. Et les interférents sont très importants dans le contrôle de l'infection, dans l'infection virale. D'ailleurs, c'est ça le problème avec l'infection COVID-19. On a expliqué pourquoi l'une des explications, l'une des hypothèses, l'un des éléments pour expliquer pourquoi certains individus font des formes sévères et d'autres pas, justement, c'est par rapport à cette réponse en interférent qui est insuffisante. Ensuite, il y a le rôle des cellules cytotoxiques naturelles NK. Donc, tous ces éléments interviennent de façon très précoce dans la réponse immunitaire antivirale, peu importe la nature qu'a le virus. Alors, ensuite, après la réponse immunitaire innée, c'est la réponse immunitaire adaptative qui intervient. Donc, il y a une réponse cytotoxique, elle est obligatoire, et une réponse immunitaire humorale obligatoire. Alors, si je vous pose une question dans le cadre d'une réponse immunitaire antivirale, si je fais une infection COVID-19, si je fais une infection SARS-CoV-2, à votre avis, est-ce que j'ai une réponse immunitaire humorale, ça veut dire je produis des anticorps, ou bien j'ai une réponse immunitaire cellulaire, ça veut dire je détruis mes cellules infectées par le SARS-CoV-2. À votre avis, est-ce que la réponse immunitaire est humorale ou bien cellulaire dans le cadre d'une infection COVID-19? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, elle est cellulaire, elle est humorale. Votre proposition, Soumeya nous dit les deux. Excellent Soumeya, bravo. Humoral, les deux. Amir Khalifa nous dit les deux. Ouais. Effectivement. Ouais. Très, très bien. Alors, Galaxy nous dit humoral puisque c'est des virus. On va voir. Les deux, oui. Ouais. Bah oui, la bonne réponse, c'est que c'est les deux. Quand je fais une infection COVID-19, mon système immunitaire va développer une réponse immunitaire humorale et cellulaire. Pourquoi? Parce que humorale, je dois produire des anticorps pour neutraliser les particules virales pour éviter qu'elles m'infectent d'autres cellules. Et cellulaire, parce que je dois détruire les cellules épithéliales pulmonaires qui ont été infectées par le virus. Toutes les cellules affectées par un virus devraient être détruites. Et pour ce faire, on a besoin d'une réponse immunitaire cellulaire. Donc oui, au cours d'une infection COVID-19, on a développement d'une réponse immunitaire humorale et cellulaire. Alors, j'ai essayé de vous mettre ce schéma récapitulatif de façon générale dans une réponse immunitaire antivirale. Donc, dans la réponse immunitaire antivirale, ça dépend de la nature des virus. Il y a des virus cytopathiques. Donc, qui détruisent la barrière pour pénétrer à l'intérieur de la cellule, ou il y a d'autres qui ont un récepteur membranaire. Alors, à votre avis, le SARS-CoV-2, il est cytopathique, ça veut dire qu'il détruit la cellule pour pénétrer, ou bien il se fixe sur un récepteur membranaire? Le SARS-CoV-2, il se fixe, effectivement, oui. Il se fixe, il a un récepteur membranaire, le SARS-CoV-2, il a un récepteur Soumeya, oui, tout à fait. Donc, il se fixe sur un récepteur membranaire qu'on va voir par la suite. Il pénètre dans la cellule, il va être pris en charge par une cellule présentatrice d'antigènes qui va activer la réponse immunitaire cellulaire, qui va détruire cette cellule infectée et qui va activer les lymphocytes B
Et ce sont les lymphocytes B qui se différencient en plasmocytes et produisent des anticorps. Alors, donc, je vous ai mis ici, si je veux mieux expliquer quelle est la situation la plus récente et la plus concrète dans le cadre d'une infection virale, ben, c'est l'infection COVID-19. Effectivement, le virus SARS-CoV-2 a son récepteur membranaire, donc la CE2, il se fixe sur son récepteur, il pénètre à l'intérieur de la cellule épithéliale pulmonaire alvéolaire, il va être pris en charge par une cellule dendritique, donc il va y avoir tous les mécanismes qu'on connaît, oui, effectivement, la protéine S-spike. Donc, il va y avoir une cascade d'événements. Je ne vais pas vous embêter avec les détails. Il va y avoir une réponse, une réaction inflammatoire intense, une production de cytokines intense. C'est ce qui lui a donné le qualificatif de tempête cytokinique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la production d'anticorps parce qu'on cherche justement à connaître la place de la sérologie dans les infections virales. Donc, les antigènes viraux vont activer les lymphocytes B qui se différencient en plasmocytes et nous produisent des anticorps spécifiques au virus. Et ce sont ces anticorps-là, spécifiques du virus, qu'on cherche à justement à mettre en évidence en diagnostic et en sérologie. Alors, ça, c'était pour la réponse immunitaire antivirale. La réponse immunitaire antiparasitaire, elle est beaucoup plus complexe. Elle est beaucoup plus complexe. Pourquoi? Parce que déjà, les parasites sont complexes, sont compliqués de par leur morphologie, leur cycle évolutif, leur pouvoir pathogène. Si vous prenez une infection virale, la réponse immunitaire antivirale, c'est pratiquement les mêmes mécanismes que vous allez retrouver, que ce soit la grippe, le SARS-CoV-2, les mêmes effecteurs, peu importe le virus. Par contre, les infections parasitaires, il y a un fond commun, mais après, il y a beaucoup de différences. Pourquoi? Parce que déjà, les parasites eux-mêmes ont une morphologie très hétérogène et très, très variée. Alors, ce que vous devez retenir, c'est que dans le cadre d'une réponse immunitaire antiparasitaire, il y a effectivement une réponse TH2, une réponse des lymphocytes B, une production d'anticorps qui est importante. Pourquoi? Production d'anticorps importante. Pourquoi? Parce qu'il y a une réponse TH2 qui est très importante dans le cadre d'une infection, d'une réponse immunitaire antiparasitaire. Donc, on produit des anticorps dans le cadre d'une réponse immunitaire antiparasitaire. J'avais pris comme exemple qui pourrait vous intéresser dans votre pratique quotidienne, une infection, la toxoplasmose. Alors, le toxoplasma, donc, quand on est infecté, il va être pris en charge par une cellule, donc activation d'une immunité innée, maintenant vous le savez. Ensuite, il y a passage vers l'immunité adaptative. Donc l'immunité adaptative, il y a justement présentation d'antigènes d'origine qui font partie de la structure des parasites aux lymphocytes. Donc il va y avoir activation des lymphocytes B et on produit des anticorps spécifiques, d'isotype IgM et d'isotype IgG. Et maintenant, vous savez très bien que au départ, on produit des IgM et par la suite, on a ce qu'on appelle un switch, on produit des IgG. Et les IgG sont produits en quantité plus importante et la réponse immunitaire est beaucoup plus importante et beaucoup plus rapide. Alors, le troisième chapitre, justement, c'est l'intérêt de la sérologie. Donc, après avoir vu les réponses immunitaires, les effecteurs, vous avez vu que comment on produit ces anticorps dans le cadre d'une infection virale et d'une infection parasitaire. Maintenant, on va voir comment on recherche ces anticorps et quel est l'intérêt de rechercher ces anticorps. Alors, d'abord, dans le cadre d'une infection virale. Donc, dans le cadre d'une infection virale, je suppose que la majorité... après, je peux vous envoyer la présentation par le biais de Madame Saouli. Hein. Ça me dérange pas du tout. Donc, si vous êtes intéressé par la présentation, si vous êtes intéressé par la présentation, je l'envoie à Madame Saouli. Elle pourra la diffuser. Il n'y a pas de problème. Avec grand plaisir. Donc, dans le cadre d'une infection. D'une infection virale, je suppose que là où vous êtes, vous dosez, vous recherchez des anticorps dans le cadre d'une infection virale. Il faudra
Alors, la production d'anticorps chez la femme enceinte. Alors, je réponds juste à une question. La production d'anticorps chez la femme enceinte au contact de la sœur est la même que chez une personne normale. On va voir l'infection, justement, on va voir l'infection toxoplasmose par la suite. Donc, vous avez compris que si vous dosez des anticorps dans le cadre d'une infection virale, vous avez compris qu'il y a un moment particulier. Faut pas la doser les premières heures, les premiers jours. Pourquoi? Parce que les premiers moments, on a dit, c'est la réponse immunitaire innée. C'est la réponse immunitaire adaptative par la suite, donc elle est plus tardive, qu'il faudra penser à faire une sérologie tardivement, pas les premiers temps. Donc, pour la place de la sérologie, j'ai choisi de vous donner plusieurs exemples concrets qui vous seront utiles dans votre pratique quotidienne. Alors, premier exemple, dans le cadre d'une infection, dans le cadre du sida, du syndrome d'immunodéficience acquis causé par le virus HIV. Alors, dans le cadre du sida, si vous êtes dans un laboratoire central ou si vous êtes dans un CTS, un centre de transfusion sanguine, je suppose que vous faites ces sérologies HIV de façon régulière, de façon très fréquente. Alors, si jamais on vous sollicite pour une interprétation, si jamais on vous, si je me perds un peu, c'est parce que je lis les messages à côté. Je suis désolée, hein. Donc, si on vous sollicite pour une sérologie HIV, donc vous devez bien savoir à quel moment faudra la faire, comment l'interpréter, est-ce qu'il y a nécessité à la refaire, etc. Donc, pour la sérologie HIV, je sais pas, j'ai trouvé que c'était l'une des situations les plus fréquentes dans les laboratoires. C'est la sérologie qu'on fait de façon très, très fréquente. Donc, on recherche les anticorps anti-HIV. Alors, il faudra savoir qu'il y a la cinétique d'une réponse immunitaire dans le cadre d'une infection SIDA. Donc, quand on est infecté par le VIH, d'abord, on a une primo-infection. Et dans cette primo-infection, on a d'abord une petite lymphopénie CD4. Pourquoi? Parce que l'HIV a une affinité pour le récepteur CD4 sur les lymphocytes CD4. Donc, le virus HIV va se fixer sur les lymphocytes CD4 et vous induire cette petite lymphopénie. Donc, la primo-infection, vous allez constater effectivement qu'il y a une petite lymphopénie CD4 et puis par la suite qui va commencer à diminuer de façon progressive. Alors, la primo-infection qui va durer entre 3 à 12 semaines, à partir de la troisième vers la 12e semaine, vous voyez que la production d'anticorps augmente petit à petit pour être constante à partir de la 12e semaine. Et c'est à partir justement de la 12e semaine où vous avez une production importante d'anticorps anti-HIV, plus particulièrement des anticorps anti-P24 qui fait partie de la structure de l'HIV. Donc une production régulière d'anticorps anti-HIV. Le patient est asymptomatique, vous savez très bien les différents stades à l'infection HIV. Primo-infection, c'est les 12 premières semaines. Une phase asymptomatique qui peut durer des années. Et puis, il y a la phase symptomatique, où il y a la phase SIDA, où le patient va développer des symptômes et va avoir toutes les infections opportunistes sur un terrain d'immunodéficience. Donc, si vous voulez diagnostiquer une infection COVID-19, et si vous n'avez que de la sérologie, il faudra faire très attention. Que la sérologie ne peut se faire qu'à partir de la 12e semaine. La 12e semaine. Pourquoi? Parce que les lymphocytes B, la réponse immunitaire adaptative humorale, ne s'active, n'atteint son maximum qu'à partir de la 12e semaine. Alors, si jamais, certainement que vous avez rencontré cette situation, quelqu'un qui touche par accident une seringue, ou là, qui se fait contaminer par du sang, ou là, sur une brèche, ou là, se présente rapidement au laboratoire, on vient vous voir et on vous dit, une seringue, ou là, j'ai une plaie, ou j'ai touché un prélèvement sanguin. Est-ce que vous pouvez me faire une sérologie HIV? Est-ce que vous allez la faire tout de suite? Non. Non. On est d'accord? Non. Bien sûr que non. Alors, Bess nous dit oui. Non, pas oui. Non. Très bien. On est d'accord qu'on ne la fait pas tout de suite. Très bien. Qu'est-ce que vous allez dire à la personne concernée? Elle vous dit hier en travaillant, c'est un infirmier ou là, un paramédical, ou là, je me suis piqué avec une seringue d'un dialysé.
Alors, dans le cadre médico-légal, Amina nous dit, on l'a fait juste pour prouver qu'en ce moment, il était HIV négatif. Oui. Mais est-ce qu'elle va vous permettre? Il faudra attendre 3 mois pour confirmer. Effectivement, si la personne vous dit, blé, avec une seringue, vous me faites une sérologie pour voir si je suis contaminée ou pas, vous lui dites non. Ce n'est pas la sérologie à J0 ou la J1 ou la 5 jours ou la 6 jours qui va vous dire que vous êtes contaminé ou pas. La réponse immunitaire humorale ne va s'installer, ne va être maximum qu'après 12 semaines. Donc, il faudra faire cette sérologie pour être sûr à la 12e semaine. 3 mois plus tard, on fait une sérologie pour s'assurer si elle est positive ou négative, que le patient a été contaminé ou pas. On peut lui proposer autre chose à votre avis. On peut faire une sérologie le jour même. Mais comment? Sérologie du malade. Oh, bravo, très bien. Ce que vous pouvez lui proposer, surtout s'il travaille dans un contexte, par exemple les dialysés, ce sont des patients qui se font transfuser de façon régulière, permanente, tout ça, donc il y a un stress, il va vous dire, je ne vais pas attendre 12 semaines pour voir si j'ai été infectée ou pas, c'est 12 semaines, c'est 3 mois de stress. Ce que vous pouvez lui proposer, effectivement, de faire une sérologie chez le patient avec lequel... Le patient chez qui l'incident a eu lieu, la seringue qu'a le patient avec laquelle il s'est piqué. Oui, vous pouvez lui proposer ça, effectivement, de faire une sérologie chez le patient. Donc, la sérologie, ne jamais la faire avant les 3 premiers mois, il faut la faire à partir de la 3e semaine. Mais si vous voulez être sûr, il faudra la faire à la 12e semaine, une sérologie anti-HIV. Alors, la sérologie, les anticorps anti-HIV, donc le dépistage des sujets infectés repose essentiellement sur la recherche des anticorps anti-HIV, par le plus souvent, ce sont des tests immuno-enzymatiques, une technique ELISA. Et sur cette ELISA, il y a des antigènes qui sont fixés et la nature de ces antigènes peut être soit des ELISA viraux, soit des protéines recombinantes, soit des peptides synthétiques qui ont été synthétisés dans l'industrie, cotés sur les plaques ELISA, et correspondent aux épitopes immunodominants du VIH 1 et 2. Vous savez très bien que le VIH, il y a 2 types, le 1 et le 2. Le 1, c'est le plus prédominant, le 2, c'est le moins prédominant, mais dans le dépistage, on met des épitopes, on met des antigènes issus des deux variants. Alors, en cas de positivité du test ELISA, le test de résultat doit être confirmé par une deuxième technique, par Western Blot, à l'Institut Pasteur d'Algérie. Alors, ELISA, Western Blot. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui font de l'ELISA? Oui? Non? Oui. Oui. Très bien. Donc, oui, très bien. Alors, il y a un bon nombre qui fait de l'ELISA. Alors, le principe de l'ELISA, jamais vu. OK, jamais vu, je vais vous l'expliquer. C'est très simple. Une technique ELISA est très simple. Elle peut être soit manuelle, sinon si vous êtes dans des centres à forte cadence, elle peut être automatisée. Si vous êtes dans des CTS, dans des centres de transfusion sanguine où vous avez de fortes cadences, vous pouvez avoir des automates et lancer de grandes séries sur l'automate. Mais si vous êtes dans des laboratoires où vous avez une petite cadence, donc la technique est manuelle. Donc, vous avez la plaque ELISA, Jikiman Hakda, donc il y a des puits. Dans les puits, ce sont les antigènes qui sont cotés. Les antigènes, les analyses de tout à l'heure, issus du virus HIV. Alors, vous rajoutez le sérum à le patient, donc l'anticorps anti-HIV qui va se fixer sur son antigène. Vous incubez pendant une demi-heure, vous lavez votre plaque ELISA, vous rajoutez par la suite un conjugué, un réactif qu'on appelle le conjugué, et puisque c'est une technique immuno-enzymatique, votre conjugué est marqué à une enzyme. Par la suite,
vous rajoutez son substrat et vous avez cette réaction colorimétrique. Est-ce que, pour ceux qui font de l'ELISA, est-ce que vous pouvez interpréter une ELISA à l'œil nu? Est-ce que le fait de voir la plaque comme ça, vous pouvez interpréter le résultat ou bien vous avez besoin d'un spectrophotomètre? Non. Alors, oui, vous avez effectivement besoin d'un spectrophotomètre, mais l'ELISA, l'avantage de ça, c'est une réaction colorimétrique. Il faut la lire sur la plaque. Il y a des experts. Hein? Oppo nous dit oui. Spectro pour confirmer. Oui. Qui dit oui? Android aussi dit oui. Donc, ça doit être un expert. Oui. Adka, oui. Galaxy nous dit oui, on peut. Ouais. Huawei nous dit oui. Effectivement, oui. Oui, oui. Alors, vous voyez cette plaque ELISA? C'est une réaction colorimétrique. Vous voyez qu'il y a des puits qui sont très jaunes et il y a des puits qui sont très clairs. Le fait d'avoir un puits clair comme ça, ça veut dire que c'est une réaction négative. Et le fait d'avoir une réaction colorimétrique importante, vous voyez que là où c'est très jaune, ça veut dire qu'il y a une réaction intense et que vous avez effectivement de grandes quantités d'anticorps anti-HIV. Dans une ELISA, de façon générale, plus la coloration est intense, plus la quantité d'anticorps est importante. Donc oui, dans un premier temps, avant de mettre la plaque NTAC le spectrophotomètre pour avoir les densités optiques, en jetant un coup d'œil, la coloration, vous pouvez effectivement savoir si c'est positif ou négatif à l'œil nu. Chauffez la plaque, si c'est clair, c'est négatif. Si c'est très coloré, c'est positif. Si c'est vraiment intense, ça veut dire que c'est fortement positif, le patient a de grandes quantités d'anticorps. OK? Donc oui, effectivement, on peut faire une lecture à l'œil nu, mais pour avoir le taux exact, pour dire vous avez des anticorps anti-HIV ou là, n'importe quel anticorps a une concentration égale à 52 unités ou la 150 unités ou la 200 unités, il vous faudra une lecture de densité optique dans un spectrophotomètre. Très bien. Donc, HEDIA, c'est pour la technique ELISA. De l'autre côté, il y a une deuxième technique, c'est le Western Blot. Alors, le principe d'un Western Blot, comme vous voyez, c'est une bandelette de nitrocellulose sur laquelle des antigènes, l'HIV, ont été fixés. Et puis, là où vous allez avoir une bande, ça correspond, tout le monde, comme la bande correspond à tel ou tel antigène issu de la structure, c'est le virus HIV. Il y a différents antigènes, il y a ceux qui constituent l'enveloppe, notamment le 120, 41, 160, 120, 41. Il y a des protéines issues des enzymes, l'intégrase, la protéase, etc. Donc, il y a une panoplie d'antigènes fixés sur ce dot. Et puis, là où vous allez avoir une bande qui apparaît, la bande HEDIA, veut dire que, effectivement, vous avez un anticorps antigène 18, antigène 24, antigène 34, 41, etc. Hadouma, les chiffres, Hadouma, c'est en relation avec quoi? C'est en relation avec quoi le 160, 120, 68, 55? Ça représente quoi? Le poids moléculaire, excellent. XPS, poids moléculaire, amina, très bien. Effectivement, parce que le Western Blot, il y a une séparation des antigènes en fonction du poids moléculaire. Du plus lourd vers le plus léger. Et du coup, vous avez des antigènes qui rentrent dans la constitution de l'enveloppe des enzymes du virus HIV. Et quand vous avez une bande positive, ça veut dire que ça correspond à la présence d'un anticorps anti-HIV. Alors, bien sûr, il y a des recommandations de l'OMS, il y a des recommandations de la FDA, il y a des recommandations européennes par rapport à la positivité. Pour considérer qu'un dot est négatif, il faut qu'un projet négatif. Si vous avez deux positifs, votre Western Blot est considéré comme positif. Alors, à ma connaissance, tous les Western Blots se font à l'Institut Pasteur. Ça veut dire, vous, dans votre pratique, je suppose que vous faites que de l'ELISA ou que des techniques automatisées de chimie luminescence,
Et quand vous avez des sérologies positives, il faudra absolument les envoyer à l'Institut Pasteur pour réaliser un Western blot et pour confirmer le diagnostic d'une infection SIDA. D'ailleurs, on va voir tout de suite. Voilà comment interpréter. Alors, comment l'interpréter? La stratégie d'interprétation, donc on fait deux techniques. Une première technique d'ELISA et une deuxième technique ou un test rapide et une deuxième technique de confirmation par Western blot. Alors, je fais une technique ELISA. Si elle est négative, tant mieux. Absence d'infection. Il faudra juste s'assurer que si jamais il y a eu un antécédent de contamination là de la fonte, s'assurer que je suis dans les délais, je suis au-delà des 12 semaines. Mais s'il n'y a pas un contexte de contamination, si elle est négative, absence d'infection, je suis à l'aise, je suis tranquille, tant mieux pour le patient. Maintenant, si elle est positive, si vous avez une ELISA positive, vous devez absolument la confirmer par une deuxième technique qui est le Western blot. C'est la technique de référence et qui se fait à l'Institut Pasteur d'Algérie. Donc, vous envoyez le sérum à l'Institut Pasteur d'Algérie, le Western blot pour un Western blot. Si votre Western blot est positif, donc vous avez une ELISA positive et vous avez un Western blot positif, il faudra refaire une deuxième fois le prélèvement. Vous voyez qu'on ne peut pas poser comme ça le diagnostic d'une infection SIDA juste sur une ELISA positive et un Western blot positif. Il faudra refaire le prélèvement. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de très… Est-ce que apparaît le bilan? Les personnes porteuses de l'HIV, est-ce que ça apparaît le bilan? Si la personne est porteuse de l'HIV, elle a une sérologie positive. Et même si elle est dans la phase asymptomatique qui dure 10 à 12 ans, oui, elle a toujours des anticorps HIV qui persistent. Oui, oui. Oui, quand on est porteuse, quand on est contaminé, on a des anticorps HIV, qu'on soit symptomatique ou asymptomatique. Donc, le Western blot, s'il est positif, on doit absolument refaire un deuxième prélèvement. Avant de commencer à traiter le patient, on refait un deuxième prélèvement. Et si le deuxième prélèvement est positif, là, on est sûr qu'il s'agit d'une infection virale. Alors, excusez-moi, je réponds à vos questions. Au sujet du COVID, est-ce qu'on peut avoir l'immunité pendant 10 années? Oui, je vais répondre. J'ai une diapo spéciale COVID. On va en reparler. Alors, elle le fait quand vous dites test rapide, cela veut dire qu'il est un test reconnu. Oui, alors, ouais, c'est une très bonne question pour le test rapide. Parce que les tests rapides, il y a eu une polémique avec l'OMS, tout ça. Des fois, il est reconnu, des fois, il n'est pas reconnu. Mais en fait, qui fait chier les laboratoires, on fait un test rapide justement pour éliminer les négatifs. Et quand c'est positif, on va vers l'ELISA. Parce que souvent, l'ELISA, elle est plus chère qu'un test rapide. Donc, ça permet d'éliminer les négatifs. Ensuite, on passe à l'ELISA. Alors, je continue. Donc, je suis dans la situation où mon ELISA est positif, mon Western blot est positif. J'ai confirmé sur un deuxième prélèvement, l'infection est confirmée, le patient peut commencer à prendre son traitement. Maintenant, si mon ELISA est positif, mon Western blot est positif et que je refais un deuxième prélèvement et que je le retrouve négatif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai fait une erreur pour mon premier prélèvement, erreur d'étiquetage ou erreur d'autre chose. L'essentiel, c'est que la discordance entre les deux prélèvements n'est pas normale et doit être explorée. Ça doit être une erreur d'étiquetage, une erreur dans les prélèvements, une erreur dans l'acheminement ou là qui a fait que peut-être j'ai confondu deux prélèvements. Donc, cette situation devrait nous pousser à refaire l'exploration à partir de zéro. Alors, dans la situation où mon ELISA est positif, mon Western blot est négatif. Alors, mon Western blot est négatif ou bien il est indéterminé. Je suspecte une infection SIDA. Je suspecte réellement qu'il y a une infection SIDA. Dans ce cas-là, surtout si je suis dans les 12 premières semaines, je dois quantifier l'ARN virale. Je dois rechercher le virus. Alors, les premières semaines, on a dit qu'il n'y a pas d'anticorps. C'est à partir de la 12e semaine, oui, on a des anticorps. Qu'est-ce qu'on a la première semaine, les premières semaines? Les premières semaines, on a le virus. Donc, on a l'ARN virale qu'on peut rechercher par des techniques de PCR en temps réel. Donc, je fais une quantification de l'ARN virale, je recherche l'ARN virale, et s'il est positif,
je suis effectivement les premières semaines où effectivement j'ai le virus, mais je n'ai pas encore produit d'anticorps. C'est la situation, c'est cette situation-là où on est considéré en primo-infection SIDA. Par contre, si mon antigénémie est négatif, donc je n'ai pas d'ARN viral, absence d'infection SIDA. D'accord? Alors, ce que vous devez retenir dans le cadre d'une infection SIDA, c'est que on fait une ELISA, si elle est positive, on fait un Western blot. Si le Western blot est positif, il faudra refaire un deuxième prélèvement, une technique ELISA pour pouvoir confirmer, pour arriver au diagnostic final d'une infection virale SIDA. Alors, le deuxième exemple que j'ai choisi de vous expliquer, est-ce que les résultats sont fiables pour le mini-vidage? Oui, ils sont fiables, bien sûr qu'ils sont fiables parce que c'est des technologies, les techniques les plus sensibles pour la quantification d'un anticorps, soit immuno-enzymatique des ELISA. Alors, la conduite à tenir après un cas positif. Après un cas positif, si vous confirmez la sérologie positive, il faudra l'envoyer dans un service d'infectieux, justement pour commencer les explorations et commencer sa trithérapie. Parce que dans le cadre d'une infection SIDA, on donne 3 thérapies. Donc, faudra, si vous avez un cas positif, il faudra absolument l'adresser dans un service de médecine infectieuse. Donc, le deuxième exemple que j'ai choisi de vous expliquer, c'est une situation actuelle qu'on vit toujours. Comment interpréter une sérologie dans le cadre d'une infection COVID-19 liée au SARS-CoV-2? Alors, quand il y a eu l'infection COVID-19, quand il y a eu l'infection, l'émergence du virus SARS-CoV-2, les premiers temps, on faisait tout et n'importe quoi. On faisait des sérologies de façon anarchique, on faisait des PCR anarchiques. Et puis, ce n'est qu'après qu'il y a eu des recommandations, des guidelines, des indications, tout ça, qu'on a mis les choses bien en place. Si je suspecte une infection COVID-19 et que j'ai été en contact, je suis symptomatique, j'ai 3 ou 4 jours de symptômes, je ne fais pas de sérologie. Il n'y a aucune indication à faire une sérologie. Les premiers jours, les 12 premiers jours de symptômes d'une infection COVID-19 ou la il faut rechercher le virus. Et c'est le principe, c'est pour ça que j'ai choisi de commencer cette présentation. Veuillez nous envoyer la présentation. Avec plaisir, je la transmettrai à Madame Saouli qui vous la fera diffuser. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de commencer cette présentation par vous expliquer les réponses immunitaires. La réponse immunitaire, vous avez vu que la réponse humorale, le lymphocyte B, ne produit des anticorps que de façon très tardive. Il y a d'abord la réponse immunitaire innée, il y a l'activation des cellules phagocytaires, des cellules cytotoxiques naturelles, etc. Et ce n'est que par la suite qu'il va y avoir développement d'une réponse immunitaire adaptative que le lymphocyte B ne produit des anticorps. Elle est tardive. C'est pour ça qu'il n'y a aucune indication à rechercher les anticorps les premiers jours où votre lymphocyte B ne s'est même pas activé, n'a même pas produit des anticorps. Donc, dans le cadre d'une infection virale, les premiers jours, il faudra toujours chercher le virus, chercher l'antigène. Quand il y a développement d'une réponse immunitaire adaptative, quelques jours plus tard, seulement il faudra rechercher les anticorps. Le virus disparaît et les anticorps augmentent. Donc, il y a eu beaucoup d'erreurs pour l'interprétation d'une sérologie COVID-19, beaucoup d'idées reçues. Mais est-ce une idée reçue? Moi, je suis confrontée à cette situation dans ma pratique quotidienne. De Doka Mazel, par exemple, des fois, ce sont des gens du médical, je veux une sérologie IgM-IgG. Si j'ai de l'IgM positif, je suis contagieux. C'est une grande erreur. Avoir une IgM positif ne veut pas dire que vous êtes contagieux. Si j'ai une IgM, c'est que certainement je suis à J8, J10. Pas du tout. L'IgM peut persister 3 à 5 semaines. Vous pouvez être complètement guéri de l'infection COVID-19 ou tout cas de l'IgM qui persiste. Ça ne veut pas dire que vous êtes encore contagieux, que vous êtes… Pas du tout. Il faudra faire très attention à l'interprétation d'une sérologie COVID-19. Alors, comme on l'a expliqué,
quand on fait une infection COVID-19, on produit d'abord de l'IgM en petite quantité. Ensuite, il va y avoir switch, on produit des IgG en plus grande quantité. Avec le chevauchement ou la séroconversion IgM-IgG est très rapide. On ne peut pas la dater à J10, J11, J12. Il y a une moyenne, mais on ne peut pas tomber. Après, il y a des variabilités entre individus. Alors, quand on fait une infection COVID-19, la sérologie IgM, on commence à produire des IgM. Vous voyez, on commence à les produire généralement pour atteindre un sommet vers le 8e jour. Mais le 8e jour, ça commence à diminuer. Et d'après les études de suivi, ça disparaît entre la 3e et la 5e semaine. Mais c'est une moyenne. Moi, j'ai eu à faire des sérologies chez des gens où l'IgM a persisté des mois et des mois. Vous, mais ils étaient complètement guéris où l'IgM a persisté des mois. Donc, après, il y a des variabilités. Il y a des choses qui sont propres à chaque individu, chaque sujet. On ne réagit pas tous de la même façon. Mais la moyenne, c'est que l'IgM, c'est négatif entre la 3e et la 5e semaine. Alors, l'IgM, il y a la première qui est produite. Ensuite, l'IgG, elle est produite, elle augmente, elle atteint un sommet généralement vers le 14e, 15e, 16e jour. Donc, si vous voulez faire une sérologie chez un individu, idéalement, c'est quand? C'est à partir du 15e jour, 14e, 15e jour qu'il faudra envisager de faire une sérologie. Ne faites jamais une sérologie COVID-19 avant le 14e jour. Ni pour rechercher l'IgM, ni pour rechercher l'IgG. La sérologie, c'est à partir du 14e jour. Alors, comment interpréter cette sérologie? Alors, quelles sont les informations qu'une sérologie peut vous donner? Quelles sont les informations que vous pouvez retirer d'une sérologie? Alors, je voudrais vous lire, donc écrivez-moi. Si vous faites une sérologie COVID-19, IgM, IgG, quelles sont les informations que vous souhaitez avoir? Alors, si vous réalisez une sérologie, IgM, IgG, alors IgM négatif, IgG négatif, pas d'infection. Le patient est immunisé ou non? Oppo, ouais. Le taux, Alouesh-Narges, le taux. Est-ce que le taux est important? La présence des immunoglobulines. Le rapport. On a eu le COVID, ouais. La phase approximative de l'infection. La seule information, ce patient a été en contact avec le virus. Oui, c'est très bien résumé. La seule information. Oui. Alors, l'information pour la vaccination. Oui, c'est bien pour la vaccination. Infection récente ou ancienne. Alors, AM, qui nous dit infection récente ou ancienne? Rahali, bonjour. Eh ben, je suis contente. Je suis contente de te retrouver. Ah, tu te rappelles les sérologies COVID, hein? Alors, quelles sont les informations donc, qu'on peut tirer? Une sérologie va vous dire si vous êtes immunisé ou pas. C'est tout. Si vous êtes immunisé, elle ne va pas vous dire si vous êtes contagieux ou pas, pas du tout. La seule information, c'est que si vous êtes immunisé ou pas. Si vous avez eu une infection COVID-19, il y a au-delà de 14 jours ou pas. C'est tout. C'est la seule information que ça peut vous donner. Alors, quand on fait ces tests sérologiques dans le cadre d'une infection COVID-19, généralement, les anticorps qu'on recherche, ce sont des anticorps antiprotéines N, la nucléocapside, des antiprotéines S, spike, c'est la protéine de surface qui permet au virus de se fixer sur la cellule hôte. C'est les anticorps qui nous intéressent le plus. Ce sont des tests doués d'une
une excellente spécificité, ça veut dire que c'est réellement le contexte d'une infection COVID-19. Et puis, voilà les indications. Quand est-ce qu'on fait une sérologie? Quand est-ce qu'il y a indication à faire une sérologie COVID-19? Quand on veut faire une étude, des études épidémiologiques de séroprévalence, on veut étudier, on veut faire une étude pour voir quelle est la séroprévalence d'une infection COVID-19 dans une population donnée, dans un personnel d'un hôpital, par exemple, dans la société. On veut voir quelle est la séroprévalence, combien d'individus, combien de personnes sont immunisées. Donc, on fait des études épidémiologiques de séroprévalence. Il y a indication à faire une sérologie COVID-19. On évalue les réponses vaccinales. Donc, on recherche des anticorps anti-protéines S, anti-spike, justement, pour voir l'efficacité d'un vaccin. Donc, pour faire des évaluations des réponses vaccinales. A posteriori, lors de fortes suspicions cliniques, oui, les PCR étaient négatives. Par exemple, chez quelqu'un, on suspecte une infection COVID-19, on a fait un test antigénique qui est négatif, et puis on se dit que tous les éléments qu'on avait étaient en faveur d'une infection COVID-19. Et puis le test antigénique était négatif, qu'est-ce qu'on fait? 14 jours plus tard, on fait une sérologie. Si elle est positive, on se dit effectivement, le patient a été en contact avec le SARS-CoV-2. Alors, quelques informations utiles, c'est que nous avons constaté que les adultes avaient des réponses, des sérologies, des anticorps en quantité plus importante, plus variée, et l'activité était plus neutralisante que chez les enfants. Ça veut dire que les individus, les sujets âgés, les adultes, répondent mieux que les enfants. On a aussi constaté dans certaines études que les formes sévères. Alors, concernant le temps de faire une sérologie, 14 jours, c'est vrai, selon la souche du virus, n'est pas. Manel, je n'ai pas très bien compris la question. C'est vrai, selon la souche du virus. Ça n'a rien à voir avec la souche du virus. 14 jours, peu importe. C'est lié à la réponse immunitaire, en fait. Ce n'est pas lié au virus. C'est que la réponse immunitaire, on produit un maximum d'anticorps. On est sûr que les IgG atteignent un maximum à J14, J15. Donc, idéalement, la sérologie, c'est à partir du 14e jour d'un éventuel contact avec, avec le virus. Donc, aussi, je vous disais qu'on a constaté que les patients avec des formes sévères avaient des taux d'anticorps anti-SARS-CoV-2 plus important que ceux avec une forme légère, que le taux était corrélé à la sévérité. Donc, ce que vous devez savoir aussi, c'est que plus le taux est important, plus mieux vous êtes protégé. C'est lié, si vous faites plusieurs épisodes de COVID-19, c'est normal. C'est ce que je vous ai expliqué dans la diapo de départ. C'est une sorte de rappel sur le système immunitaire. Plus vous faites d'infection, plus le taux d'anticorps augmente. D'accord? Alors, les techniques disponibles. Est-ce que vous faites de la sérologie? Est-ce que vous en avez fait? Est-ce que vous faites la sérologie COVID-19 là où vous êtes? Est-ce qu'il y en a qui la font? Oui? Oui? Non. Non. Test rapide, oui. Très bien. Donc, vous la faites sur des tests rapides. Très bien. Au départ, c'était tout le monde sur cassette. Voilà, sur des tests rapides. Très bien. Très, très bien. Au départ, c'était le cas de tout le monde dans tous les établissements hospitaliers privés et publics. La sérologie se faisait sur ces tests rapides, sur des cassettes, comme vous dites, sur des tests rapides. C'était des tests dont le principe repose sur une technique d'immunochromatographie. C'est des bandelettes de nitrocellulose qui sont fixées et dont le principe était le ICHROMA. Très bien. La PCR, c'est pour autre chose. PCR, c'est pour le virus. Sans le titrage, le résultat n'est pas appréciable. Ce n'est pas qu'il n'est pas appréciable. Une sérologie, vous dites positif, négatif. Si elle est positive, vous êtes immunisé, c'est bien. Mais c'est vrai qu'idéalement, c'est d'avoir un taux
Mais même une cassette, même une bandelette est toujours utile. Avoir une bandelette, dire que vous êtes immunisé, les IgG sont positifs, oui, c'est important. Alors, ces bandelettes, donc le principe est très simple pour ceux qui n'ont jamais vu de test rapide, de bandelettes rapides. Le principe est très simple, c'est que vous déposez une goutte de sang ou de sérum, ça diffuse. Vous avez un contrôle positif qui doit absolument être positif pour pouvoir valider votre bandelette. Si le contrôle positif ne ressort pas, vous ne pouvez pas valider cette bandelette. Donc, vous avez un contrôle positif, vous avez de l'IgG et vous avez de l'IgM. Donc, si vous avez apparition d'une bandelette, l'exemple, c'est de l'IgG, donc vous rendez votre résultat IgG positif. Si vous avez une IgM qui est positive, vous mettez votre résultat IgM positif. Et puis, vous pouvez avoir les deux positifs à la fois. Vous dites présence d'anticorps d'isotype IgG, IgM. Donc, soit c'est négatif, soit IgG positif, soit IgM positif, soit les deux à la fois. Donc, le principe est très simple. Il faut juste déposer une goutte de sérum ou de sang, laisser diffuser, interpréter après 15 minutes. Vous devez absolument avoir un contrôle positif qui apparaît pour pouvoir valider votre test. Alors, ça, c'était le point de départ. Dans tous les laboratoires, au départ, dès l'émergence de l'infection SARS-CoV-2 COVID-19, on a tous commencé par faire des tests rapides sur bandelettes de nitrocellulose. Par la suite, il y a eu justement développement de tests quantitatifs sur automate, dont le principe, soit ce sont des technologies de chimie luminescence, de néphélémétrie. Alors, on a même réalisé avec le test rapide. Oui, d'accord. Alors, des appareils, des automates ont justement développé des tests quantitatifs et on est passé du qualitatif à quantitatif, à des techniques quantitatives. Oui, les automates vous donnent des taux exacts et précis d'IgG et d'IgM dans le cadre d'une infection COVID-19. Alors, Vidas, Maglumi, effectivement, Oppo nous a cité quelques exemples. Alors, ça c'était dans le cadre d'infection virale. Dans le cadre d'une infection parasitaire, alors je vous ai dit que les virus c'est un peu plus particulier, les parasites c'est un peu plus particulier, c'est un peu plus complexe. Généralement, quand on veut poser le diagnostic d'une infection parasitaire, on recherche le parasite directement dans le sang, dans les selles, dans l'urine, dans la peau, etc. Donc, le diagnostic parasitaire repose sur la mise en évidence du parasite lui-même. On connaît sa morphologie, on connaît sa structure, on connaît ses particularités, donc on cherche à le mettre en évidence. Cependant, dans certaines situations, il est très difficile de mettre en évidence ce parasite-là. Et du coup, c'est là, dans cette situation-là, où on a recours à la sérologie. On cherche à mettre en évidence des IgM et des IgG dans le cadre d'une réponse immunitaire humorale spécifique à ce parasite. Alors, cette sérologie parasitaire, des infections parasitaires, donc, il y a différentes situations où vous pouvez la faire. Soit dans des infections protozoaires, soit des infections aux elles-mêmes, soit des infections à des mycoses, l'aspergillose par exemple, on recherche les IgM, IgG. Donc, c'est des situations où il n'est pas évident de mettre en évidence le parasite, donc on cherche à mettre en évidence la réponse humorale. Alors, chez la femme enceinte, la primo-infection peut être à l'origine d'une toxoplasmose congénitale. C'est pour ça qu'il y a un dépistage régulier chez les femmes enceintes. Donc, on fait un dépistage régulier. On va voir à quel rythme et quelles sont les indications. Donc, le principe d'une réponse immunitaire est le même. Quand on fait une primo-infection, au départ, on produit des IgM. Et par la suite, on a une réponse IgG, donc le passage, un switch d'une réponse IgM à une réponse IgG, une séroconversion. Et justement, cette séroconversion, cette positivité doit être surveillée chez la femme enceinte.
Alors, je vais essayer de répondre à quelques questions. Sinon, je le ferai à la fin de la présentation parce que ici, ça parle technique, je peux faire le vaccin Johnson. Voilà. Pour enchaîner, je vais finir avec l'infection toxoplasmose et reprendre vos questions. Donc, on produit des IgA, par la suite des IgG. Donc, ça, c'est un principe de base dans une réponse immunitaire que vous devez absolument garder à l'esprit. IgM, c'est une réponse immunitaire primaire et IgG, une réponse immunitaire secondaire. Alors, comment interpréter cette sérologie de la toxoplasmose? Si vous faites de façon régulière chez la femme enceinte et que vous avez des IgM négatifs, des IgG négatifs, absence d'immunité toxoplasmique, surtout si vous la faites au premier moment de la grossesse, mais après, il va y avoir des conditions hygiéniques que la femme doit observer. Si la femme est enceinte et que les premiers moments, on a effectivement une IgM négative et une IgG négative, le contrôle sérologique doit se faire de façon régulière, généralement une fois par mois. On refait cette sérologie de la toxoplasmose pendant sa grossesse et elle doit observer des conditions d'hygiène, bien laver ses légumes, ses fruits, etc. pour éviter justement qu'elle se contamine pendant sa grossesse. Donc, elle n'est pas immunisée. Elle a des anticorps négatifs, donc elle n'est pas immunisée. Dans ce cas-là, il faudra faire attention. Dans la situation où elle a des IgG positifs et des IgM négatifs, donc ça veut dire qu'elle a une immunité ancienne, elle a été immunisée, elle a été en contact avec le toxoplasma et donc elle est immunisée, elle a des IgG positifs. Son immunité est ancienne, à confirmer sur un deuxième sérum, généralement pour être sûr que effectivement la femme enceinte est immunisée. Dans la situation où les IgG sont positifs et les IgM sont positifs, il faudra faire un test d'avidité des IgG. Donc, on cherche à connaître la liaison IgA-anticorps-antigène en présence d'urée. Donc, c'est un test qui se fait justement pour pouvoir dater cette infection. Et plus cette avidité est augmentée, est importante, plus l'infection est ancienne. Plus l'avidité est forte, donc, il y a un indice à calculer. Et plus cette avidité est forte, et plus l'infection est ancienne. Et plus l'avidité est faible, et plus l'infection est relativement récente. Donc, il faudra faire un deuxième sérum, un deuxième prélèvement, 3 semaines plus tard, pour voir le titre d'IgG. Est-ce qu'il est stable ou bien est-ce qu'il augmente? Si le titre d'IgG augmente, ça veut dire l'infection à moins de 3 mois. Si le titre d'IgG reste stable, ça veut dire que c'est une infection qui remonte à plus de 3 mois. Dans la situation où mes IgG sont négatifs et mes IgM sont positifs, soit c'est une situation non spécifique, ce sont juste des IgM qui ont été détectés et qu'il faudra reconfirmer sur un deuxième prélèvement quelques semaines plus tard, soit c'est carrément un début d'infection. Soit c'est carrément un début d'infection. Donc, un début d'infection, je fais un deuxième prélèvement quelques semaines plus tard. Et si justement, j'ai ce passage de l'IgM positif vers l'IgG positif, effectivement, j'ai cette séroconversion chez la femme enceinte. Si dans le contrôle ultérieur, j'ai absence d'IgG, je contrôle un mois plus tard, pour pouvoir dire effectivement qu'il n'y a pas eu d'immunisation et que finalement les IgM que j'avais au départ, ce sont des IgM non spécifiques. Donc, je recontrôle dans un deuxième sérum à deux semaines d'intervalle. Si j'ai apparition d'IgG qui était négatif au départ, j'ai une situation de séroconversion. Donc, de l'IgM, j'ai mes IgG dans le cadre d'une infection toxoplasmose. Par contre, si j'ai pas apparition d'IgG, absence d'IgG et que je contrôle qu'effectivement il n'y a rien, je me dis que ce sont des IgM non spécifiques. Donc, pour conclure, que finalement la sérologie occupe une place importante dans le diagnostic de certaines maladies virales et parasitaires, surtout dans un moment particulier, oui, il est difficile de mettre en évidence le virus et le parasite. Et donc, idéalement, c'est de faire une sérologie pour voir est-ce qu'il y a cette infection ou pas.
Deuxièmement, les points essentiels à retenir, c'est que on peut envisager de faire une sérologie dans un cadre infectieux particulier, viral, parasitaire ou la bactérienne, c'est quand on comprend bien la physiopathologie de l'infection. C'est ce qui s'est passé au départ dans l'infection COVID-19, c'est quand on a bien compris le mécanisme, comment le SARS-CoV-2, comment la contamination se faisait, comment le SARS-CoV-2 se répliquait, comment les effecteurs étaient activés, comment la réponse immunitaire se produisait, qu'on a compris que la sérologie, la recherche d'anticorps pourrait avoir un intérêt important dans le diagnostic de l'infection. Donc, il est très important de pouvoir maîtriser les mécanismes physiopathologiques d'une réponse immunitaire anti-agent infectieux de façon générale. Et puis, on a de plus en plus de techniques de plus en plus sensibles et spécifiques pour mettre en évidence les anticorps en question. Je vous ai donné l'exemple de l'infection COVID-19. On est passé d'un test d'immunochromatographie de départ qui était peu sensible, qui était qualitatif, à des techniques très sensibles, très quantitatives qui pouvaient nous donner des taux exacts des anticorps présents chez l'individu. Alors, je vous remercie donc pour votre attention et je réponds à quelques messages. Voilà, à quelques questions. Alors, on peut avoir le lien de cette formation. Alors, la présentation, je vais la donner à Madame Saouli, donc elle va vous la faire diffuser, il n'y a pas de problème, avec plaisir. Alors, mon mémoire, c'était diagnostic immunohématologique des parasitoses. Très bien. Merci, avec plaisir. Je vais remonter un peu les questions. Voilà. Alors, quelle est la différence? Je suis désolée, je vais agrandir. D'avoir une immunité malgré l'exposition à des conditions externes depuis l'enfance. Comment vous expliquez la difficulté d'avoir une immunité malgré l'exposition aux conditions externes depuis l'enfance? Je n'ai pas trop compris la question, mais plus on s'expose à des agents infectieux, plus on est immunisé. Entre guillemets, c'est pour ça qu'on dit pendant l'enfance, il ne faut pas trop couver les enfants, il faudra les laisser tomber malade, avoir des infections parce qu'ils s'immunisent. Ils développent leur immunité. D'accord? Après, nous ne répondons pas de la même façon. Il y a de bons répondants, il y a de mauvais répondeurs. On peut être deux individus, on fait la même infection, même âge, même condition, on fait une infection. Moi, je peux faire une infection super sévère et vous allez faire une infection légère. On ne répond pas de la même façon. Il y a des particularités génétiques, pharmacogénétiques, etc. Donc, on ne répond jamais de la même façon à un agent infectieux. Il y a de bons répondeurs, il y a de mauvais répondeurs. C'est valable pour la vaccination. Quand on se fait vacciner, il y a des gens qui répondent très bien, qui produisent des taux très importants d'anticorps, et il y a d'autres qui ne répondent pas bien au vaccin. Hein? Donc, c'est lié à des particularités de l'individu. Alors, s'il vous plaît, j'ai fait deux doses de vaccin Sputnik et je veux faire le vaccin Johnson. Est-ce qu'il y a une contre-indication ou effet secondaire? Pas à ma connaissance. Vous avez fait deux doses de Sputnik. Si vous avez fait le COVID, vous êtes bien protégé. Maintenant, tout dépend de vos intentions. Si vous voulez faire le Johnson juste pour voyager, faites-le. Si vous êtes au-delà des 9 mois. Mais sinon, si vous avez fait le COVID et le vaccin, vous êtes protégé. Donc, même si vous allez faire COVID-19, et surtout qu'on est sûr que le dernier variant, il est moins sévère. Donc, si vous allez rentrer en contact avec le SARS-CoV-2, vous allez faire une forme légère. Donc, ça risque de ne pas être très, très, très sévère chez vous. Donc, tout dépend de vos intentions pour le vaccin Johnson. Hein. Alors, je réponds à d'autres questions. Alors, les messages ne m'apparaissent pas. Alors,
Oui, alors, oui, Galaxy, oui. Alors, le malade immunodéprimé traité par une greffe de cellules souches, est-ce qu'ils peuvent développer une immunité propre à eux? Alors, un malade immunodéprimé traité par une greffe de cellules souches, est-ce qu'il peut développer une immunité propre à eux? Alors, un immunodéprimé traité par une greffe de cellules souches. Donc, généralement, la greffe de cellules souches, il y a un conditionnement. Donc, on lui enlève toutes les cellules. Ensuite, on le greffe à partir de cellules souches. Et ça dépend, donc c'est une greffe allogénique, donc les cellules souches proviennent d'un autre individu. Il va commencer à reconstituer son répertoire. Donc oui, il va développer son immunité. La cellule souche, c'est la cellule précurseur de toutes les cellules de l'organisme. Donc la cellule souche, elle va lui, à partir de cette cellule souche, il va développer des cellules, des T, des B, il va développer son immunité, bien sûr, oui. Est-ce que vous comptez faire d'autres formations, Bouchra Yasmine? Oui, normalement, je suis programmée pour la semaine prochaine pour une conférence sur l'inflammation et comment l'explorer. Alors, quelle est la différence entre un réactif qui détecte l'HIV 1 et 2 uniquement et un réactif qui détecte la P24? Est-ce qu'on peut valider sans rechercher de la P24? En fait, il y a des guidelines, il y a des recommandations et des recommandations très différentes, celles de l'OMS, de la FDA américaine, européenne. Pour valider un Western blot. Il y en a qui disent qu'il faut avoir les deux à la fois, il faut avoir impérativement le 120 et le P24. Il y en a qui disent qu'il faut avoir quatre à la fois. Donc, il y a des guidelines, il y a des recommandations et ça diffère. Donc, on peut soit se référer, généralement, on se réfère à celle de l'OMS qui détecte HIV 1 et 2. Je vous ai dit, parce que l'HIV 1, il y a deux variants. Le 1, c'est le plus dominant dans le monde. Le 2, c'est en Afrique centrale. Mais bon, le dépistage, il faudra rechercher les deux à la fois. Voilà, donc j'espère que cette présentation a été utile pour vous. Je transmettrai comment avoir le programme de la formation qu'il faut voir avec Madame Saouli. Donc, je transmettrai le cours à Madame Saouli. Vous trouverez aussi mon mail sur le cours. Donc, si vous avez d'autres questions, si vous souhaitez avoir d'autres informations, n'hésitez pas à m'écrire. Je vous souhaite bonne journée, bon courage et à très bientôt. Et Madame Saouli, si vous êtes là, merci beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup.